Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nom mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, nous baissons bien bas devant face bénie pour implorer assistance divine dans la force prière. Alors que nous allons commencer avec la chaîne YouTube, ça, nous demandons la bonté, la grâce infinie, effacez-nous complètement. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que tout ça qu'a fait dans la salle, ça, dans le studio, ça, dans la chaîne, ça, soit de manière à te glorifier, toi et toi seul. Pardonnez péché, nous, aidez-nous avec nous, prends soin de nous. Nous prions pour tout le monde qui a besoin de force prière pour une bénédiction spéciale. Tout le monde qui a besoin de paroles bibliques, ça, que nous avons fait lire chaque jour pour eux. Nous demandons au Seigneur, nous va conscientiser pour qu'on ait un seul bon Dieu qui t'a créé l'homme et l'univers pour accrocher à lui jusqu'à ce qu'il retourne. Pardonnez péché, nous, Seigneur, nous prions comme ça au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, laissez-nous partager chanel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation monde ça. Pas négliger fait ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share and subscribe notre chanel Force Prière. N'après mes chanel, abonnez et partagez chanel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous allons chanter le numéro 285 des hymnes et louanges. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver, se bornent mes souhaits. C'est ton sur moi, je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec événement des derniers jours, le chapitre 15 intitulé Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Sous-titre, le dimanche imposé, l'observation du jour du repos constitue un test. Pages 227 et 228, paragraphes 834 à 836. Nul ne sera condamné tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la validité du quatrième commandement. Mais, lorsque le décret rendant obligatoire la contrefaçon du sabbat sera promulgué et que le grand cri du troisième ange avertira les hommes contre le culte de la bête et de son image, la ligne de séparation entre le faux et le vrai sera rendue évidente. Ceux qui persisteront alors dans la transgression recevront la marque de la bête. Lorsque l'observation du dimanche sera rendue obligatoire par la loi et que le monde aura reçu la lumière concernant la validité du vrai sabbat, alors quiconque transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a d'autre autorité que celle de l'homme, honorera ainsi la papauté plus que Dieu. Il rendra hommage à l'homme et au pouvoir qui imposera l'institution ordonnée par l'homme.
Il adorera alors la bête et son image. Lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité et honoreront à sa place celui que Rome a choisi comme la marque de sa souveraineté, par cela même, ils accepteront le signe de la soumission à Rome, la marque de la bête. Et ce n'est pas avant que ce sujet ne soit pleinement exposé devant les hommes et qu'il n'ait été placé devant le choix entre le commandement de Dieu et le commandement des hommes que ceux qui continuent dans la transgression recevront la marque de la bête. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. À mon entendeur, salut, merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 285. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère, je sur ta fidélité. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible avec nos sœurs Livancia, Louisius et sœur Ketly Desjoie. Mais avant de faire ça, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, yo, mes petits, yo, baissez bien bas devant face bénie pour implorer assistance divine dans la force prière. Alors que nous allons commencer avec la lecture de la Bible, nous demandons autant pour y, papa, dans la bonté ou dans la grâce infinie. Venez aider nous, effacez-nous complètement, remplis-nous du Saint-Esprit. Belle parole, ça, que nous avons dit chaque jour, Seigneur. Fais-nous retenir dans le cœur, nous. Et puis, pour nous pratiquer chaque jour dans la vie, nous. Et tout le monde qui a besoin de force prière, Seigneur, fait de même pour nous. Pardonnez péché, nous du haut des cieux, c'est comme ça nous prions. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je dis, hein, nous allons entrer dans chapitre Jean, nous allons lire Jean, chapitre 1er à chapitre 4. Jean, chapitre 1er. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il déclara et ne le nia pas. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Les premiers disciples, le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus.
Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Jésus-Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassés du temple. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie
des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le temple relevé en 3 jours. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce que pense Jésus de ceux qui croient en son nom. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Jean chapitre 3. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Émon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, en voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Jean chapitre 4. La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait beaucoup plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains.
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ?» Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre
celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres travaillaient et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Retour de Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Guérison du fils d'un officier du roi. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton fils vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Un livre Bonne Nouvelle, Jean t'écrit. Dans le livre Jean, il y a un petit détail. Nous ne pouvons pas jouer dans aucun autre livre Bonne Nouvelle. Yo. Et cela donne tout nous joindre en pile le travail bon Dieu t'a fait. Quand on lui raconte Jésus et les pharisiens avec visite mon pays la Grèce, t'es venu rendre. C'est seul livre ça qui racontait dernière fois Jésus t'a fait à disant yo well bon en Galiléa. C'est dans le ça nous joindre. Non pas au lit, Jésus baille tête li. C'était moi qui peint, qui baille la vie ya. Li met tout le monde sous la tête. Ok, ak mouton, bon gado, c'est moi qui gui pouvoir pour lever moun qui mouri déjà yo. On baille la vie encore. C'est moi qui chemin, vérité, ak la vie ya, ta vie. Bon, mais plein livre là, mais comment te déroulé? Jean chapitre 1. Ah voilà, c'est lumière de la vie. Avant mon Dieu te créé en rien, ah voilà, t'es là. Ah voilà, t'es avec bon Dieu. Ta bon Dieu t'es yé.
de sa parole là, tu es tout. Parole là, tu es là avec bon Dieu depuis le commencement. Tu es avec parole là, bon Dieu fait tout bagaille. Tout ça qui t'est fait. Pas de rien qui t'est fait sans parole là. La vie, c'est dans lui ça t'est. La vie ça a qui te baille tout le monde lumière. Lumière éclairée dans le fait noir. Mais le fait noir pas recevoir lui. Bon Dieu te voyait un homme qui te relève chant. Il devait servir témoin pour parler sur lumière. Il te vini pour tout le monde qui te dans des messages. Il y a des cacouets. Ce n'est pas lui-même qui te lumière. Il te vient pour servir témoin, pour parler sous lumière. Lumière, ça, c'est lui qui lumière tout bon. C'est lui-même qui vient sous la terre et puis cap éclairer tout le monde. Parole là, tu es dans le monde. C'est à parole là, bon Dieu, tu fais tout ça qui est dans le monde. Moun ki nan le moun pa te konèt li. Li vin nan peyi l. Et tout moun nan peyi l pa te resevwa li. Mais sa ki te resevwa li yo, sa ki te kouwe nan li yo, ki va yo pouvwa tonen petit bon Dje. Yo pa te vin petit bon Dje, jan ta fèt parmi les hommes sou la tè. Parce que ça pas sorti dans l'existence la chair ni dans la volonté les hommes. Et bon Dieu même qui était papa yo. Parole là tout le monde il était vivre dans mes temps non. Il menait une vie qui était conforme net à la vérité à cramer dans tout terre. Nous on pouvoir li. C'est de pouvoir bon Dieu papa te bail seul petite lia. Et les mêmes Jean-Baptiste n'a pas parlé là. L'un te dit bien fort et même monde ne t'a parlé noir. L'un te dit non la vie après moi. Mais il y a plus pouvoir passer parce que il était là avant moi. Nous tous nous recevons pas nous dans toute quantité bien lieu. Il va nous faveur, sous faveur. Pour Dieu fait Moïse, va nous la loi. Mais c'est Jésus-Christ qui te fait nous connaître le bon Dieu ensemble avec vérité. Personne pas jamais bon Dieu. Mais c'est le petit bon Dieu. Les mêmes qui bon Dieu tout. Les mêmes qui vivent côte à côte avec papa. C'est les mêmes qui font le monde connaître bon Dieu. Jean-Baptiste a prêché. Même ça, Jean-Baptiste dit les Juifs qui la ville de Jérusalem, ils voyaient quelques prêtres à quelques monde, Lévi, ville Pandel. Qui moun liye. Jean pas de fils de répondre yo. Li di yo carrément devant tout moun. Et c'est pas moi qui crie cela. Yo m'a déli et il moun ouye à tort. Ou se li? Jean répond yo non. Mwen pa eli. Yo di li. Ou c'est prophète là? Il répond yo non. Les ça yo dit li et qui pour nous même? Parce que nous gè pou porter une réponse by moun qui voyait nous yo. Et moun ou dit ou yé. Je réponds et moi, c'est voix nom qui a prêlé dans des seyas.
planifier chemin bien planifié pour mettre là. C'est ça pour faire tes aïe dit. Qui nan moun yo te voye bon côté Jean yo qui te sorti la caille pharisien yo. Yo mande li et si ou pas ni Christ là ni li ni prophète là. Dis-nous pour qui ça ou baptiser moun. Jean répond yo et moi-même moi baptiser nous dans de l'eau. Mais nan mitan nou la et yon moun nou pa konnen la vin aprèm. Mais mwen pa bon asè pou m'ta demare kont sa pat li. Tout bagay sa yo ta pase kote yo rele Betania. L'autre bord la rivière Jourdain kote Jean ta baptize ya. Jésus se ti mouton bon Dieu ya. Nan demain, Jean wè Jésus qui t'a vinn chwenn ni. Li di, et mes ti mouton bon Dieu a ka pwete peche moun sou tout la te. Men moun, mwen ta pale nou an. Lèm de di nou, genyon nan moun ka vinn apwen. Men ki ge plis pou vwa pasem. Paske, il était là avant moi. Je ne connais qui mon ça va pas lié. Mais moi vinn baptiser nous dans de l'eau. Pour mon peuple Israël yo et ta reconnaître lui. Je dis yo encore et moi ouais l'esprit bon Dieu a descend sur dans ciel là en couyoti pichon. Et et sous tête li. Le sa, mwen pa tan kwa kone ki moun li te ye. Mi, on di ki te voye m baptize nan loa, te zim, wan wè l'esprit bon di a desan, la rete sou tête yon om. E li men, ki ge pou baptize moun nan Saint-Esprit ya. Je di yo ankor, et moi ouais ça ak j'aime c'est ça qui fait moi dit tout c'est lui qui petit bon Dieu a joué premier disciple Jésus yo dans demi j'étais même côté à encore à des partisans yo dit ouais Jésus qui t'a passé il dit eh mais c'est mouton bon Dieu a les partisans yo tande sa Jean tap di a yo pran suiv Jésus. Jésus di re tèt li gade ki wè yo tap suiv li. E mande yo e sa nan chache. Yo mande li e ki kote ou rete? Rabbi. Mou rabbi sa vle di met. E repon yo venino. Na we. Ya le vre. Yo we kote l te rete ya. Yo pa se rejoune ya aveli. Li te ve 4 heures konsan la apremidi. André, frè Simon Pierre, te yon nan de moun ki te tande sa Jean pe di ya. Pe ki te suiv Jezi. Premier moun, André rencontré, c'était Simon. Prélie. Il dit comme ça, et nous venons Messia, il voulait dire Christ là. Et bien, Simon, ben Jésus. Jésus garde, il dit, c'est vous-même, Simon? Petit Jean, garde les roues, c'est face. Le même bagay à pied. Il voulait dire wash. Jésus et Philippe et Nathanaël vient suivre lui. Non demi, Jésus te fait l'idée aller dans le pays Galilée. Et je Philippe sur route là.
li di li et suiv moi. Philippe te moun la ville Saïda. Côté André à Pietretea. Après ça, Philippe joue Nathanaël. Li di li nous jouons moun Moïse te parlé nous dans le livre la loi. Mon prophète yo te parlé ya tout. C'est Jésus. Moun de la ville Nazareth. Petit garçon Joseph là. Nathanaël dit li et qui bon bagay qui ka sorti Nazareth? Philippe répond ni vini non. Wawe. Et Jésus ouais Nathanaël a vin bon côté. Li di sou li et mi yon moun pep Israël tout bon. Et yon homme qui pa gen gris nan li. Nathanaël mande li et qui j'en fait konnen mwen? Jésus répond ni avant Philippe te rele ou la pete wè ou le ou te en bas pi fig fwast la. Le sa Nathanaël di li et maître, ou se petit bon Dieu ya, ou se wa pep Israël la. Jésus répond ni est-ce que moi dit ou moi te wè ou en bas fig fwast la? Peut-être ça c'est pourquoi? Pourquoi pour wè bagay pi gwo passe ça? Après ça, li di yo et ça m'a dit nous là. C'est vrai, oui. Nan wè ciel là l'ouvri avec zanj bon Dieu. Yo tap monte desan sou moun bon Dieu voye nan la chair. Amen. En chapitre 2. Yo mariage nan la ville Cana. Deux jours après ça, il y a eu un mariage la ville Cana dans pays Galilée. Maman Jésus était là. Je t'ai invité Jésus à discipler dans notre là tout. Rivé ou là pas gain divin encore. Maman Jésus dit comme ça et yo pas gain divin encore non. Et Jésus répond ni. Et nan ki sa mwen ye avè ou madame. Pe pam nan pou ko rive. Le sa maman Jésus di moun ta servi yo et fait tout ça di nou fait. Il y a six gros chats fait en wash qui était servi pour juif yo laver koyo d'après coutume yo. Peut-être gros assez pour chaque te kembe 20 30 gallons comme ça. Jésus di moun qui ta servi yo et déjà yo de l'eau. Yo plein yo la bouche. Là yo fini. Jésus dit yo et petit goutte dans l'eau ça. Pote bay chef Cambise là goûter. Pote petit goutte en bay chef Cambise là. Chef Cambise là goûter de l'eau qui était tourné du vin. Et pas connait qui boit du ça t'est sorti. Mais domestique yo qui t'est prendre de l'eau t'est connait. Dire les noms qui t'a marié a. Il dit li comme ça. Et tout le monde servit puis bon divin avant. C'est après tout invité au fin fou. C'est les ça, yo servit divin qui pas trop bon. Mais ou même tu serait puis bon divin, c'est connait a ou servir. Comme ça, Jésus t'est fait premier miracle la ville Cana dans pays Galilée. Il t'est fait ouais pouvoir li. Ça te fait disciple yo kwen nan li. Après ça, l'aller la ville Capernaum ensemble ak maman, frèl yo ak disciple yo yo passé de 3 jours là. Jésus nan temple. Et li vran juif yo te va se rive. C'est comme ça, Jésus monté Jérusalem. Il joint yo bon moun nan temple qui t'a vann bèf, onto ak pijon. Il a même qui était chita des abio à changer l'argent. Il prend quelques codes, il marie ensemble
il fait yo fouette ak yo. Puis il mettait tout moun yo de yo nan temple ensemble ak tout mouton yo ak tout bèf yo. Chavire tab moun ki tab changé l'argent yo. J'étais tout comme yo até. Il dit moun ki tab vann pichon yo. Et où était ça là? Pas fait kay papa m nan tourné yon boutique côté pour faire commerce. Disciple yo venu chercher parole sa yo qui était écrit dans livre là. Oh bon Dieu. Mais c'est tellement remet kayoa. Mais senti c'est tant pour yon tifé ka bouler tout en dedans moi. Puis que m'a déli. Et rak ou ka fè pour montrer nous pour gien droit faire ça ou faire là. Jésus répond yo. Et quand c'est un fan qu'on y a, dans trois jours, après partir le banon. J'ai fait au dili. Yon prend 36 ans pour yon bâti tant ça, ou même pour ta prend 3 seuls jours pour yon bâti li. Et Jésus le même. L'elle t'a dit, mon temple, c'est pour lui. Il te gué nan tête. Et Jésus te fait sortir vivant nan la mort. Disciple yo vin songe et te dit ça. C'est comme ça yo te kwè ça qui te écrit nan livre là ensemble avec toute parole Jésus te dit yo. Jésus connaît ça qui nan kè moun. Pendant Jésus te Jérusalem pour faire délivrance en pile moun te kwè nan li. Et yon te wè miracle, li pas fait. Mais, Jésus pas fait aucun ladan yon confiance. Parce que, li te konne yon tout bien. Li pas besoin moun te dit un yon sou personne. Parce que li même, li te konne sa ki nan kè yon. Amen. Jean chapitre 3. Jésus ak Nicodème. Degré yon nom yon te rele Nicodème, qui te fait partie du groupe pharisien yon. C'était yon nan chef juif yon. Yon jour la nuit, li vin bo kote Jésus. Li di le kon sa, maître, nou konnen se bon Dieu ki voye pou montre nou tout bagay sa yon. Paske, person pa ka fè tout miracle qu'a fait yo si bon Dieu a fait lui. Jésus répondit et ça m'a dit nous là c'est vrai oui personne pas capable ouais pays côté bon Dieu wa qui pas fait pour deuxième fois. Nicodème dit lui puis il y a un homme qui fin grand monde fait une deuxième fois. Il va quand on est dans maman pour faire une autre fois encore. Jésus répondit et m'a dit nous là c'est vrai. Personne pas qu'à entrer dans pays côté bon Dieu wa s'il est pas fait dans de l'eau dans Saint-Esprit. La chair est sortie dans la chair. L'esprit sorti dans l'esprit bon Dieu. A saisi, si me dit ou, c'est pour nous faire une deuxième fois. Vent souffle côté le vle. Autant de bril l'a fait. Mais, on pas connaît qui bol sorti. Ni qui bol pour aller. C'est même genre, pour tout le monde qui fait dans l'esprit bon Dieu. C'est ça. Nicodème dit lui. Et, qui j'en a sa carte même? Jésus répond lui. C'est un gros maître à montrer le peuple Israël en pile bagay. Et puis, ou pas qu'on bagay, ça yo. Pas m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Moi-même, moi parle ça m'en connaît. Moi dis ça m'en connaît. Et ouais. Mais nous-mêmes, nous pas accepter ça m'a dit.
nous pas croire l'aime aller nous bagay qui a passé ici sur la terre tiens n'a fait quoi l'aime a parlé nous bagay qui a passé dans le ciel là personne ne pas chance monter dans le ciel là c'est un bon Dieu voyé dans la chair qui descend sorti dans le ciel là et même Jean Moïse te levé serpent qui était fait en bronze là bien haut sur un poteau en mitan désert ça yo que pour lever monde bon Dieu voyé dans la chair bien haut tout tout monde qui mettait confiance pion dans lui pas gain la vie qui pas jamais finir parce que bon Dieu si tellement remet les hommes il va seul petit prière pour yo tout monde qui va mettre confiance yo dans lui pas perdre la vie yo au contraire gain la vie et pas jamais finir ou Dieu pas envoyer petit prière sur la terre pour condamner les hommes mais pour être capable de délivrer yo. Et moun ki mete confiance yo nan petit bon Dieu a condamné. Mais moun ki pa kwè nan li yo déjà condamné. Parce que yo pa de confiance nan sèl petit bon Dieu. Mais ki bon condamnation sorti pou yo. Li bien te vini nan le moun. Et les hommes te pito fè noir passe lumière parce que y a fè mal. Le monde a fait ça qui mal. Il pas veut la lumière. Il pas vivre ni côté lumière. Parce que il prend pour mauvais ça, il veut pas paraître à clair. Mais monde qui fait ça, il bon vrai, c'est dans lumière même la venue. Pour monde qui a wel à clair, c'est pour pays, la pour pays bon Dieu, dans ça la faire. Jésus à Jean-Baptiste. Après ça, Jésus allait ensemble avec disciples yo dans pays Judée. Il était quelqu'un là avec yo. Il t'a baptisé monde. Jean-Baptiste même t'a baptisé monde tout dans Enon pour près Salim parce que t'ai rempli de l'eau là. En pile monde t'ai venir joindre là pour te baptiser yo. Les ça, yo pas encore mettre Jean-Baptiste en prison. Et toi, nan patizan chan yo, tombe diskite ak yon chouif an sou reglement religion, ak ki mande pou moun lave ko yo. Y ale bon kote jan. Le dil kon sa. Et met, sou jenom ki te ave ou lot bo la rivye tout de yan, moun nou tap ale nou an. Et ben, la batize pou nye ya, tout moun a jweni. Répond yo et son a ka gagné si c'est pas bon Dieu dans ciel là qui balé lui nous même nous ka dit moi te dit nous ça c'est pas moi qui Christ là c'est voyé bon Dieu voyé rendez devant lui dans yo mariage la mariée c'est pour nous qu'a mariée Zami nom ka marié a campé tout près. La côté et pas manqué content. Les li tande voix nom ka marié a. C'est comme ça moi même. Pas content net kounye a. Il fait pour les vinn plus grand. Moi même. Moi vinn petit toujours. Moun ki sorti dans ciel là. Et moun ki sorti en roi pi grand passe nous tout. Moun ki sorti sous la terre c'est pour la terre liye. La pale nous bagay ki sous la terre. Moun ki sorti en roi dans ciel là li pi wo passe nous tout. La di sal wè sal tante mais personne accepte misaï. Mon Dieu accepte ça la dia. Il reconnaît ça bon Dieu dit, c'est vrai. Mon bon Dieu voyé ya. Et parole bon Dieu l'a parlé. Parce que bon Dieu bali Saint-Esprit sans mesure. Papa remet petite là. Il bali pouvoir sur toute bagaille.
Moun ki mette confiance yo nan petit la, yo gen la vie ki pa jam finir. Moun ki désobéi petit la, yo pa gen la vie sa. Ekou le bon Dieu a tombé sou yo. Amen. Jean chapitre 4. Jésus ak fam pays Samaria. Parizi yo tande Jésus ta fait plus patizan par ses chants. Il t'a baptisé plus moun passé le doux. Mais pour dire vrai, Jésus pas jamais baptisé personne. C'est disciple yo qui t'a baptisé. Les Jésus vient comme ça, il quitte pays Judée. Il tourne dans pays Galilée. Tout là qui t'est passé dans mitan pays Samarie. Il rive dans un bouc Samarie, yo rele Sika. Pour prendre mon sauté Jacob te ba Joseph, petit garçon là. Et là, puis Jacob l'a teye. Jésus même te bouqué. Voyez là, fatigué en pile. Li chita sur le bon pia. Et te bon midi comme ça. Yon femme pays Samarie vin pour tirer de l'eau. Jésus dit comme ça. Et t'en prie. Vann si goutte de l'eau pour m'boire. Disciple yo te allé la ville là à l'acheter manger. Comme Samarie a dit Jésus comme ça. Et comment? C'est pas juif ou rien? Si je vous fais mander de l'eau pour m'boire. Moi-même qui monte Samarie. Parce que juif yo pas de rapport avec moun Samarie. Jésus répond ni et où te connais la bon Dieu ba là. Où te connais qui moun t'a mandé ou ti goud de l'eau pour boire ou même t'a mandé le ba ou ti goud de l'eau pour boire. Laisse ça. Il t'a ba ou nan de l'eau qui baille la vie. On a dit li et messieurs, ou pa gen vaisseau pour tirer de l'eau et puis tout. Pi a fond en pile. Ki bon pour ta joindre de l'eau qui baille la vie ça. Et Jacob, zansèt nou, ki te ban nou pi ça. Il te bre la dan li. Tout petit li yo ensemble ak tout bête li yo. C'est là yo te bre tout. Ou nye a, ou prêt pour dim, ou pi grand passé Jacob. Di répond ni. Tout le monde qui boit de l'eau ça, il est pour soif de l'eau encore. Mais monde qui va boire de l'eau à Balia, il pas jamais soif de l'eau encore. Parce que l'eau ma Balia, on est sous de l'eau dans lui à Bali la vie, il pas jamais finir. On a dit lui et tant pis messieurs. Bon petit goutte dans l'eau ça non pour boire. Comme ça, je n'ai pas jamais envie de boire de l'eau encore. Je n'ai pas bête à vivre de l'eau. Jésus dit comme ça. Allez, les mariés. Après ça, vous ne venez jouer de moi. Je vais répondre. Je ne vais pas marier. Jésus dit comme ça. Vous avez raison de dire que vous ne pas marier. Parce que ou passé 5 mari déjà et puis non ka vive avec ou kounye a c'est pas mari ou lié ou pas bam menti les ça comme nan dit gen le ou c'est un prophète messie zansèt nou yo nan pays Samarie ti servi bon Dieu sou moun sa mais nous même juif tout dit fè le côté pour moun servi bon Dieu. C'est la ville de Jérusalem. Jésus répond ni. Et madame, vous m'avez cru moi. Mais après arriver, pas ni tout le monde ça. Et la ville de Jérusalem, pour nous servir papa. Nous, même, mon mari, nous ne connaissons pas sans nous servir. Nous, même juifs, nous connaissons sans nous servir. Parce que nous, nous venons pour sauver. C'est dans mes temps juifs qui l'ont sorti. Mais
L'air arrivé. Il arrivé déjà. Tout le monde t'a servi tout bon, yo. T'a servi. À part, quand t'es yo, j'en sais où est fait. C'est le monde qu'on s'a bon Dieu voulu pour servir. Bon Dieu, c'est l'esprit lié. Tout le monde t'a servi, c'est pour servir dans l'esprit, yo. J'en sais où est fait. On a dit, lui. Et, je connais, Messia, mon aurait le Christ là, bien pour le finir tout. Dès la venue, là, expliquez-nous tout bagage ça, yo. Jésus répond, ni. Et même quand parler avec vous là, c'est Christ là. Laisse ça, disciple Jésus, yo, fin arrivé. Je te saisis, well, à parler avec une femme. Ni, yo, yon, pas mandel, et ça, ou bien avec lui. Ou sinon, pour qui ça va parler avec lui? Comme la même qui t'écrit Joa, là, il tourne là, la ville là. Il dit, mon yo, et vini ouais, yon homme, il dit, tout ça me fait. Est-ce que nous pas quoi c'est Christ là? On yon sorti la ville là, yon vin jouen Jésus. Disciple yon même, ou pa yon, a demandé Jésus pour le manger. Yo tap dit, eh, tant pis, mais, manger qui choye non? Mais, il répond yo, ah, pas de pour manger, yo manger, yo pas connaît. Mais ça, disciple yo, yon pour demander l'autre. Et, quel est, yo moun pour te manger bali? Jésus dit yo, eh, j'ai pas volonté, moun qui voye m'na. C'est pour me faire travail, pour me faire. Nous-mêmes, nous disons, pas moi encore, nous pouvons faire des côtes. Moi-même, moi dis non. Gardez le jardin bien. Gagnez au fini. C'est tout bon pour ramasser. Vous avez un pays monde à ramasser les côtes là. La papille est grenouille pour la vie qui ne peut jamais finir. C'est comme ça. Mon cap simé en content. Mon cap ramassé en content tout ensemble avec lui. Sa parole là, Zia, c'est vrai ou? Mon cap simé, c'est pas lui qui ramassé. Moi, vous voyez nous ramasser dans un chadin pour pas de travail. C'est l'autre monde qui te travaille. Mais c'est nous-mêmes qui profiter du travail. Yo. Pile le monde Samarie qui te rete dans si ta te kwen dans Jésus pour tête sa madame nan te di yo. Li di m tout ça me fait. C'est comme ça, là yo rive bon côté li, yo mande l pour rete avec yo. Jésus passé deux jours la ville là. Et gen pile l'autre monde encore qui te kwen dans li. Ça Jésus même a di yo. Yo di femme nan comme ça. Et ou n'y a nous quoi? C'est pas seulement de ça ou raconter nous, hein? Mais tout parce que nous tendons nous-mêmes à des oreilles, nous connaissons, c'est lui-même frère qui vient délivrer nous sur la terre. Jésus guérit petit, nous gros fonctionnaires. Le Jésus qui passe des jours ça, il est parti, il est allé dans le pays Galilée. Parce que c'est Jésus même qui te dit, pas chèm respecter un prophète dans le pays côté le sorti. Dans les rives, en Galilée, mon Galiléo te bien recevoir. Parce que yo même tout, te à la ville de Jérusalem pour faire délivrance là. Yo te wè tout ça, il te fait. Mais ça. Après ça, Jésus tourne vin Cana dans Galilée. Côté, il te fait de l'eau pour le divin. Dans la ville là, tu as un gros fonctionnaire l'état. Tu as un petit garçon qui était malade dans une autre la ville, il y aurait les Capernaum. Dans les villes qu'on est Jésus, tu es sorti pays Judée, vin pays Galilée, la joigne. Il m'a dit pour la Capernaum guérir petit Pia qui était prêt pour mourir. Jésus dit comme ça. Et si nous parlons de miracle et de belles bagailles, nous ne pouvons pas jamais croire. Actionnaire répond,
Et, maître, viens avec nous. Avant petit point, qui est en mourir. Jésus dit, ah, on met à la caillou. Petit toi, pas mourir. Non, non, ouais, ça, Jésus te dit là. L'aller. Il était sous route, la caillou, toujours. Les domestiques, les yon vin joueni avec nouvelle ça. Et petit tout a pas mouri. Il m'a dit yo. Et qui le petit garçon a refait? Yo répond ni, hier après-midi. Voyez, il est comme ça. Ta fièvre là tombé. A pas vin reconnaître, c'était le ça. Même Jésus te dit, petit garçon là a mouri. C'est comme ça. Les mêmes ensemble avec tout le monde la Kalio ou en Jésus. Ça te fait deuxième miracle, Jésus te fait. L'aile tourne sorti. Jide vini dans le pays Galilée. Amen. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière avec notre sœur Baoulette. Mais avant nous faire ça, nous allons chanter Viens mon âme. Viens mon âme. Te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Papa, nous qui sommes là, nous disons merci de ce que tu es capable avec nous. Pendant toute journée, Seigneur, nous te prenons soin, nous, pour te garder, nous. Papa, nous, nous demandons pardon pour tout péché que nous faisons, tout ça nous fait qui mal, tout bagarre nous fait qui pas bon devant Dieu. Nous demandons, t'en prie, dirigez-nous, avec nous, protégez-nous, gardez-nous. Parce que c'est vous-même seulement qui est capable de faire ça pour nous. Éternel Dieu d'amour, viens-nous, Seigneur. Demandez au Seigneur pour force prière pour tout le monde qui est intéressé à la Bible pour ouvrir force prière dans YouTube et que vous êtes capable d'entendre la Bible qui est vérité. Tant prie, aidez-nous les applis pour nous parler comme ça. Mais faites que nous lisons pour nous apprendre, pour nous pratiquer tout ça que vous prescrivez nous dans l'ordonnance. Seigneur, mes malades, oui, nous venons mettre devant. Mais tout le monde qui n'a pas tant de force prière, qui est malade, qui est couché à l'hôpital, qui est pas devant, pas derrière, qui n'a pas espoir, va au force, non. Fais au camper, Seigneur. Qui n'a pas capable marcher, fais au marcher bien. Qui est malade dans le genou, qui n'a pas capable de mettre à genoux même. Guéris-le. Seigneur, même Jean, Éternel, ou te fait un pile miracle. C'est ou cap toujours fait miracle. Et ça fait, nous venons devant, nous avons confiance dans nous-mêmes. Qui va faire un pile miracle pour nous? Aidez-nous chaque jour. Nous prions. Et on va bénir. Lui, Iventia, Etli, Elsie, Zoréné. Et nous toutes, captant des fausses prières. Bénis-nous. Bénis pays nous. On est ça qui a passé dans le pays, nous. Béni pays, nous, et pays que nous y sommes. Nous prions. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse sur sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance pour peuple haïtien, victoire et la délivrance pour pays nous en Haïti, victoire et la délivrance pour force prière, victoire et la délivrance pour nous chaque qui souligne, pour chaque monde qui prend le temps de force prière. Amen. Amen. Zanmi myo, frèk sè myo, peuple qui a préparé pour ciel là, compatriotes haïtiens nous.
Merci infiniment parce que nous te prenons temps pour prier et lire la Bible nous avec channel YouTube Force Prière. Pas oublier, prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force, prier, approchez-nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec Force Prière n'a pas accompli tout ça. Zanmim yo, frères haïtiens compatriotes nous yo, nous praler, mais n'a quitté nous sous attention. Affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le Tout-Puissant qui pas jamais oublier nous. Sous ça, zanmi myo, frèm sèm yo, n'ap di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye. Bye.